Un artiste atypique que nous allons maintenant rencontrer, artiste attachant également. Nous n'avions pas encore eu l'occasion de rencontrer effectivement Bouly Lanners après la cérémonie des Césars. Il a fini par revenir de Paris avec son trophée et par retrouver sa bonne ville de Liège. La rencontre est signée Antoine Lepavec, Pierre Foulon et Marc Mellon. Quel bonheur et quelle chance de pouvoir tourner dans ce film. Et c'est grâce à vous que ce moment qui est totalement improbable pour moi. Putain, je viens de Liège quand même. Retour au calme, retour aux sources pour Bouly Lanners. Avec Liège, une ville qu'il affectionne particulièrement, ce sont les retrouvailles après une soirée d'exception. J'ai toujours rêvé d'être le parrain d'une grande citation qui traverse les siècles. Ce sera la mienne, modeste, voilà. L'élégance de l'âme, c'est la gentillesse, ou les Liégeois l'ont. Et puis, il y a une drôlerie, je ne sais pas, il y a une gouaille, il y a un truc, il y a un accent qui fait que les choses sont plus drôles, ça, tout passe mieux à Liège. Dans la nuit du 12 de Dominique Moll, c'est une thématique grave, le féminicide qui est sous la lumière des projecteurs. Ce qui est important, c'est de libérer la parole, c'est de l'accepter. Et c'est un phénomène de société, donc c'est une société, elle se construit ensemble. Il ne faut surtout pas rentrer dans la guerre des genres. On a besoin, et c'est ce que dit très bien Caroline, la productrice de chez Oeycourt et qui a produit le film de la nuit du 12, elle a clôturé le discours au César en disant « Vive les femmes et vive les hommes qui accompagnent le combat des femmes ». Donc c'est quelque chose qui doit se faire ensemble. Bouly Lanners s'explique qu'il a un profond respect pour les enquêteurs de la police judiciaire. Essayer de découvrir qui a assassiné une personne innocente, c'est noble, bien sûr. Et eux sont confrontés tous les jours à une violence atroce. Ils rentrent chez eux avec cette charge-là. C'est quelque chose de très dur. Ils sont mal considérés. Ils ont très peu de moyens humains. Et ils vivent au quotidien avec les atrocités. C'est-à-dire, le crime, c'est le reflet le plus... C'est le reflet de la société le plus atroce. Donc ils rentrent avec cette espèce de violence permanente chez eux. Ils rentrent chez eux avec ça, retrouvent leur famille ou leur solitude. Donc oui, c'est pas un métier facile du tout. J'ai beaucoup de respect pour eux. En novembre prochain, Bouly Lanners et son épouse ouvriront à Liège un théâtre de marionnettes. Et ce sera sans strass ni paillettes.